La demeure plus que centenaire dans laquelle nous habitons nous réserve quelquefois des surprises. C'est à la suite de manifestations plus significatives que d'habitude à notre domicile que nous avons décidé de réaliser cette enquête. Nous installons et mettons en service nos caméras infrarouges dans les différents lieux où nous avons pu constater des phénomènes inhabituels. C'est alors qu'avant même d'avoir débuté notre investigation, prévue pour 23 heures environ, que des sphères lumineuses que nous appellerons orbes nous honorent de leur présence. Odile tente un premier contact avec celui, celle ou ceux qui demeurent avec nous dans une des chambres situées au deuxième étage. Alors, enquête à notre domicile. Première séance PVE dans la chambre. Alors, suite à de nombreux petits phénomènes la nuit, sensation de toucher, ombre. Voilà. Donc on réalise cette première investigation. Première séance de PVE. Donc nous avons une température qui se situe aux alentours des 28 degrés à peu près. On a 27,8. 28, ça varie un petit peu. Bonjour. Je demande aux entités, aux présences, aux personnes qui ne sont plus de ce monde, qui seraient susceptibles d'être dans cette maison, de venir nous rejoindre, de venir pourquoi pas s'asseoir avec nous sur ce lit. Se joindre à nous et de manifester leur présence. Vous pouvez manifester votre présence de diverses manières. Vous pouvez soit parler dans le petit appareil avec la lumière rouge que je viens de déposer dans ce lit, sur ce lit, pardon, soit faire un bruit, taper sur un meuble, taper dans un mur. Vous manifestez de la façon dont il vous plaira pour établir un contact, pour établir une communication entre nous. Je m'appelle Odile. Je suis accompagnée de Aldir. Vous nous connaissez puisque nous habitons cette maison. Je pense que vous avez voulu à plusieurs reprises montrer que vous êtes là. Donc ce soir, c'est le moment ou jamais de manifester votre présence, d'entrer en communication avec nous, pour vous faire comprendre ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, pourquoi vous êtes là.
Alors, je vais vous demander de parler très très fort, le maximum que vous pouvez, car nous savons que c'est pas facile. Nous savons que vous êtes désincorporé. Nous savons que vous n'avez plus de corde vocale, que c'est difficile pour vous de vous manifester par la voix. Mais nous savons que c'est faisable. Nous savons que vous pouvez le faire, car nous vous avons déjà enregistré. C'est ce qui nous conduit ce soir à mener cette investigation dans notre propre maison. Oui. Je sais pas si en version, je sais pas si comme ça on le voit bien. On le voit à peu près. Ouais, ça a descendu. C'est passé environ de 28, non, à 24. 28 à peu près, presque 29. Presque 29 à environ un peu moins de 25. Ouais. Vous sachiez que vous avez aussi une possibilité de communication, c'est en faisant chuter la température de la pièce. Si vous puisiez suffisamment d'énergie dans la pièce, par exemple, dans notre énergie, notre propre énergie, vous allez faire chuter la température de manière non naturel, parce que je rappelle quand même que nous sommes en plein mois de juillet. Il fait très très chaud, nous habitons dans le sud, Marseille. Donc voilà, la chaleur est quand même très très importante, la température est actuellement en train de chuter au thermomètre. Et si vous puisez suffisamment donc d'énergie, vous allez automatiquement... Vous allez faire chuter la température de la pièce. Donc c'est aussi un mode pour pouvoir nous démontrer votre présence. Il me semble que la personne ou une des personnes présentes ici aime bien nous couper la parole. Lorsque nous parlons, en nous disant chute, ou en nous appelant, c'est déjà arrivé, n'est-ce pas le dire? Ouais. Nous sommes actuellement à 22,9 degrés. Donc, il semblerait que vous ayez compris le mode de fonctionnement de la température. Alors, je dois aussi parler avec vous d'un événement important, très très important, qui s'est passé bien sûr dans notre vie. C'est la disparition tragique d'une personne, de notre famille, qui s'appelait, enfin qui s'appelle tout le temps pour toujours pour nous, qui s'appelle Didier. Et il semblerait que les manifestations qui se passent actuellement dans cette maison ont démarré au moment où Didier est parti et où nous avons amené dans cette maison des affaires, différentes affaires, qui lui appartiennent, pas parce que nous voulons nous les accaparer, pas du tout, tout simplement parce que ce sont des affaires que nous ne voulons pas nous séparer. Ce sont des choses qui lui tenaient fortement à cœur, donc nous les avons amenées à la maison parce que il fallait, on n'avait pas d'autre choix de toute manière que de les amener à la maison.
Voilà, donc ça a commencé. Donc, je voudrais savoir si les manifestations qui se passent dans cette maison actuellement sont liées à Didier. Donc je voudrais savoir si c'est Didier qui est parmi nous. J'ai des frissons. J'ai super chaud là d'un coup. J'ai besoin de suer comme un porc, ça aussi. La température continue à chuter, nous sommes à 21 degrés 4. C'est un truc de fou parce que la température continue de chuter et moi pourtant j'ai de plus en plus chaud. Tu me touches, je suis bouillant. Voilà, donc Didier, toi qui es parmi nous. Si c'est toi, Didier, je vais te demander d'essayer de rassembler toute l'énergie que tu peux. Je sais que ça va être très difficile pour toi. Car tu es passé, tu es décédé, malheureusement. J'aime pas employer ce mot avec toi, mais tu es décédé il n'y a pas longtemps. Donc je sais que c'est compliqué. Donc je voudrais savoir si c'est toi. Si c'est toi, fais-moi un signe. Essaye de taper dans un meuble. Essaye de parler le plus fort possible dans le petit appareil que j'ai posé sur le lit. Ouais, normalement il y a le son, hein, si tu l'as programmé, s'il est dedans, ouais, il doit avoir le son. Ouais, il doit avoir le son. Si par contre, ce n'est pas Didier qui est dans cette maison, je vais vous demander également de nous faire savoir votre présence en donnant vos noms. Votre nom ou vos noms. Je veux savoir qui me touche les pieds, par exemple, la nuit, quand je dors dans ce lit. Car je ne vous cache pas que c'est franchement désagréable. Profitez de cette prise de contact de cette nuit pour établir une communication Oui, j'ai entendu. entendu. Oui. Donc, la température est redescendue à 21 degrés 8. Température 29. La température est relativement descendue de 29 à 21 degrés. Toutes les fenêtres sont fermées, le courant est coupé, il n'y a pas de VMC en route, il n'y a pas de climatiseur en route. On s'entendrait. Si vous vous approchez suffisamment près de cet appareil qui a la lumière verte, vous allez déclencher
sert à rien, c'est le thermomètre. Vous avez déclenché d'autres lumières. Il y a d'autres lumières, d'autres petites loupiottes de différentes couleurs qui vont s'allumer. C'est une façon de nous montrer votre présence. N'ayez pas peur, cet appareil ne fait absolument pas mal, regarde. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça s'est allumé. Allez-y, n'ayez pas peur. Tu vois qu'il y a... Sur la caméra, je regarde et je vois rien. Ah si, là c'est bon, je vois mieux. Voilà, c'est parfait. Approchez-vous encore un tout petit peu plus près, vous allez voir. Vous allez allumer la lumière, la deuxième lumière qui clignote actuellement, elle va rester en fixe. Regardez, je vais vous montrer. Regardez. Je m'approche, vous voyez, je touche l'appareil. Il ne me fait pas mal du tout. Il ne vous fera aucun mal. Allez-y. Je sais que vous en êtes capable, hein. Il n'y a aucun souci. Recommencez, s'il vous plaît. Allez-y, n'ayez pas peur. Cet appareil est totalement inoffensif. Merci. Tu comprends? Oui, je l'ai pris, je l'ai. Encore. Plus vous vous approcherez près, plus les lumières vont s'allumer. Approchez-vous de l'appareil avec la lumière verte. Alors, nous allons stopper cette séance de communication dans la chambre et nous allons reprendre dans une autre pièce de la maison. Vous voulez qu'on reste ici? Si vous voulez qu'on reste ici, reculez de l'appareil. Il faut que nous comprenions ce que vous voulez. Oui. D'accord. Reculez de l'appareil si vous voulez qu'on reste ici. Ok. D'accord. Alors, reculez de l'appareil si vous voulez que nous changions de pièce. Et éteignez la deuxième lumière. Ok, merci. Alors, nous allons changer de pièce. Nous vous remercions. Avec le K2, oui. T'as regardé l'écran de contrôle ou pas? Ouais, mais j'ai pas fixé, j'ai pas bloqué dessus. D'accord, hein. Ok. Ben, j'ai pas bloqué pas mal de choses. En fait. Ok. Bon, on a eu des basses températures de 29 à 21, presque 20. Et même ce disant, quand il faisait 21 degrés, j'avais super chaud d'un coup. Je fais juste une petite pause de seconde, je vais faire une clope. C'est le temps de finir mon coca. On est à la maison, donc on prend le temps. Pendant cette petite pause, quelques orbes se déplacent dans le couloir. Tout à l'heure, vous avez manifesté le désir de changer de pièce de la maison. Si vous êtes avec nous, je vais vous demander de manifester votre présence, s'il vous plaît. De la façon dont vous le souhaitez, soit en émettant un bruit
Ce n'est pas les meubles qui manquent, vous avez qu'à taper dans un meuble. Par exemple. Soit en parlant suffisamment fort dans l'appareil avec la lumière rouge qui va enregistrer votre voix, votre message, soit en vous approchant de l'appareil avec la lumière verte. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est dans ma propre maison que vous êtes, mais j'ai beaucoup de difficultés à établir une communication, on va dire, de façon médiumnique avec vous. Approchez-vous de l'appareil avec la lumière verte. Dictaphone s'est arrêté. Je vois ça. Tu veux de la lumière? Mon dictaphone vient de s'éteindre. Alors ça c'est NT. D'accord. Est-ce vous qui venez d'éteindre le dictaphone? Parce que là, vous venez complètement de l'éteindre. Alors, j'ai connu le dictaphone qui se met en pause, mais le dictaphone qui s'éteint tout seul, non. Vous êtes capable de le refaire? Cela vous ennuie que nous essayions de plus rentrer en communication avec vous? Il ne peut même pas avoir été éteint par ma part de... par inadvertance, vu que le dictaphone est posé sur la table. Et c'est un bouton à viscière sur le côté qu'il faut descendre pour l'éteindre. Donc c'est impossible. Même en étant rationnel, je ne sens pas les piles. Les piles sont neuves et j'ai pu le rallumer. C'était quoi? Je sais pas du tout. Il s'est rééteint. Donc t'es sûr que les lunettes, les ah oui, les piles sont en bon état. Oui. Mais on, de toute façon, on va faire une pause et on va changer les piles. On ne sait jamais, juste pour rassurer. Est-ce que c'est vous qui éteignez le dictaphone? Alors, puisque vous êtes capable, d'après ce que je comprends, vous êtes capable d'interagir. Il s'est rééteint. Le dictaphone s'est rééteint. Je suis repassé à une barre. Il s'est repassé à une barre. Bon, on va pas y arriver. D'un coup, je viens de repasser à une barre. Dès que je lui parle qu'il est capable d'interagir, j'ai les appareils qui s'arrêtent. C'est extrêmement étrange, par contre. Contraint de stopper la session d'enregistrement, nous en profitons pour remplacer les piles du dictaphone et mettons en charge la batterie de la caméra d'Aldir. Un contrôle des piles qui étaient dans le dictaphone nous permet d'affirmer que ces dernières étaient encore en pleine charge. La séance sera reprise. Cette fois-ci sans incidence matérielle, malgré une charge incomplète de la caméra.
Cette session, qui se terminera aux alentours de 1h30 du matin, n'apportera aucun élément supplémentaire. Avant de vous présenter notre tentative de contact dans le salon, voici quelques images des caméras infrarouges obtenues entre 1h et 2h30. Plus aucun phénomène du même type n'apparaîtra par la suite dans cette pièce. SPVE dans le salon. Il est 2h30 du matin. Donc aux alentours des 26°5. Êtes-vous encore avec nous ce soir? Êtes-vous prêt à communiquer maintenant? Nous vous avons laissé tranquille, nous vous avons laissé récupérer de l'énergie. Alors, je vais vous demander à nouveau de faire un signe de votre présence, s'il vous plaît. Venez vous asseoir à côté de moi. Approchez-vous de l'appareil avec la lumière verte, s'il vous plaît. Comme vous l'avez fait dans la chambre tout à l'heure. Vous m'entendez ? Ou pas ? Non. Si c'est vous qui avez fait ce bruit, recommencez, s'il vous plaît. Vous n'entendez pas? Ouais, non. Thierry, t'entends quelque chose? Qui que vous soyez, refaites un bruit. Faire un bruit, je vais vous demander d'essayer de faire la même chose. À vous. Là, j'ai entendu quelque chose. Merci. J'ai entendu. Est-ce vous qui venez de faire ce bruit? Si c'est vous, je vous demande de recommencer. DJ, est-ce que c'est toi? Si c'est toi, fais un bruit. T'as entendu? Ouais, j'ai entendu. Peux-tu recommencer, s'il te plaît, si c'est toi? Ouais, trois coups. Là, ça fait beaucoup. Encore une fois, s'il te plaît.
Pourquoi êtes-vous ici? Êtes-vous attaché à la maison? Est-ce que notre présence vous dérange? Si notre présence vous dérange, faites un bruit, s'il vous plaît. Si c'est à le dire, faites-le nous savoir en faisant un bruit. Est-ce Thierry? Nous avons un autre mode de communication qui s'appelle une table de Ouija. Si vous souhaitez utiliser ce mode de communication, faites-le nous savoir. Les minutes passent, avec son lot de questions qui resteront après analyse des enregistrements audio, sans réponse. Il est à présent 3h du matin et la fatigue se fait ressentir. Nous avons stoppé la séance de PVE dans le salon. La séance de Ouija ne sera pas réalisée. Nos étapes psychologiques et la fatigue étant contraires à la pratique de cet outil de communication. Nous décidons toutefois de continuer à enregistrer les images des caméras infrarouges jusqu'au lendemain. La caméra située dans la chambre sera déplacée dans le couloir donnant sur les chambres. Il est plus de 4h du matin, nous sommes tous couchés et avons sombré dans les bras de Morphée. Nous allons constater, lors du visionnage des enregistrements vidéo, un bon nombre d'ouvertures et fermetures d'une porte, d'amplitude et de fréquence aléatoire qui nous est encore aujourd'hui impossible d'expliquer de manière rationnelle. Bien entendu, nous avons vérifié et nous vous confirmons l'absence de tout courant d'air. En considérant les éléments recueillis, phénomènes de type orbe sur les vidéos, variations importantes de la température, interactions sur le détecteur de champ magnétique,
phénomènes de voix électronique enregistrées, ainsi que les déplacements inexpliqués de la porte, ne peuvent que nous conforter, encore une fois, en la croyance de la survivance de nos consciences après nos vies terrestres. À des phénomènes inexpliqués et souhaitez une intervention de l'équipe, contactez-nous via notre site internet 4paranormal.fruit.fr.